au sénateur Modestin de cette chronique disponible pour nous ce matin. Valérie Luma à l'antenne. Bonne écoute à chacun de vous. Avant d'accorder la parole à sénateur Modestin, qui est une bonne nouvelle qui fait que tomber, nous connaissons et gagnons un individu qui était assassiné en policière et dans le week-end qui se passait là. C'est Michel-Ange François. Eh ben, moi, je passais 24 heures de temps après et assassinat ça. La police qui tapait essayer, garder qui j'en est capable de mettre la main sous bandit ça, eh bien, il arrivait arrêter Aubenson Saint-Dor. Il a arrêté monsieur hier après-midi Cavaillon, dans le département sud. Normalement, il a arrêté monsieur, il a eu deux âmes sous lit, parmi eux, les âmes policières là, que monsieur était assassiné là. Et puis, on l'autre âme, et que monsieur était utilisé pour le tuer, et policier Michel-Ange François. Aubenson Saint-Dor, monsieur qui a 28 ans, monsieur c'est originaire de Dame-Marie, dans le département de la Grand'Anse, et il va transférer monsieur dans la direction centrale police judiciaire DCP. Il me déblait quand même, ben, nos informations, ça. Sénateur Modestin, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Valérie, bonjour tout auditeur, auditrice Vision 2000. Jeudi, journée, mardi 20 octobre 2020, voilà. Et comment vous êtes, comment ça t'est allé, comment croyez? Bon, as-tu là? Bon, yo là, moi connais la vie, c'est un naufrage, et puis quand je peux nul m'inviter. Donc, yo là, mais ou corona là, tout bagaille là. Donc, ou là. Mm-hmm. Bon, sénateur, et je connais aussi un gros observateur avisé de situation sociopolitique et économique PIA. Question politique est toujours intéressée, très certainement, tout ça qui a rapport avec PIA. Est-ce que l'on a regardé comportement acteur politique sous scène, ou estimé que n'a pas évolué dans le bon sens, ou bien gagné une mauvaise foi et caractérisé, qui est très manifeste par côté acteur, qui fait que la crise là a perduré toujours? Qui ça, évaluation parouillée? Bon, d'abord, si vous dites mauvaise foi, qui est très manifeste, donc vous suggérez ça. Ouais, donc moi, je suis plus prudent. Bah, si vous avez une mauvaise foi, encore moins si vous avez une mauvaise foi manifeste. Voilà. Donc déjà, pour tes précisions, ça là. Dans mon cas, moi, je pensais que moi, j'ai perdu en pile. La capacité de comprendre ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Et je me dis ça tout à fait honnêtement, hein, sans fausse modestie, hein, pas toujours qu'à comprendre ce qui a passé dans le pays. Ça. Et moi, lié avec une situation qui est beaucoup plus dépassée Haïti, en grande partie, situation sans les globalisations ou bien néolibéralisation, côté pays qui sous-développé dans l'incapacité pour faire face à ces grandes entreprises et corporations et le système financier international qui est contrôlé par une bonne dizaine de personnes, essentiellement américains et européens, côté appauvrissement et introduction de technologie d'une part, et appauvrissement État-nation, pays tiers monde, appauvrissement à la parler en accélération, parce que le pays a une capacité pour faire face aux entreprises multinationales et aux États très forts qui représentaient l'entreprise d'ailleurs. Exactement. Bao, l'Ego voulait par exemple pour un pays africain quelconque, pour aider au faut voter une loi sur droit monde homosexuel pour marier. C'est même pas plaider. Donc, alors à ce moment-là. Que dit le mouvement patriotique populaire de s'aligner au pod, qui a pas agréé dans la liste définitive pour l'élection législative? Oui, comment est-ce que ça se fait capable de qu'il est gratuit, qu'il y a des habitudes, qu'il y a des mœurs, qu'il y a des coutumes, qu'on n'a pas qu'à prendre un pays, prendre un pays pour voter en loi. Normalement pour moi-même, Christophe. Il faut qu'on ait des révolutions. Personnellement, pas qu'à ce moment-là, qu'il y ait des KIPA ou agréés. Ou pour avoir une carte sous révolution dans le pays. Donc, c'est dans la situation que nous avons une délinquance généralisée dans mes continents, Honduras, Salvador, et tant de pays aussi en Afrique. Et je me fais des positions sur l'ensemble de la société, sur les classes politiques, sur les forces politiques, sur les comportements et les classes politiques. Donc, moi-même, je ne connais pas si je suis de mauvaise foi, mais ça me choque un peu.
Oui, mais c'est un problème de confiance et qui fait ça. C'est-à-dire, quelle que soit la discussion qui va le faire là, et parti qui a pris l'action, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de confiance. Vos situations de méfiance générale. Même nous, même on va parler avec nous, nous pas qu'à dire que nous sommes barrés. Parce que le truc original papier, pas qu'à dire que pour nous, si c'est papier pas bon, si nous disons papier pas bon, mais si seulement si papier est bon, pour qui ça vous parle? Si nous avons un problème de l'outil, pas de problème. Au moins, même normalement, dans ce principe, je m'achète des salariés qui ont des qui a un arrière tout qui est des autres. C'est comme ça que je fais confiance. Un problème administratif, si le bureau me porte, il vous résout avec moi-même, avec l'IPA. C'est pas personne qui est dans l'arrière tout. Et si c'est ça, il y a des gens d'appel. On devrait arrêter les marchés des salariés qui ont des national numéro 1. Parce que moi-même, je suis dans le numéro 1. Troisième section, c'est paysan, même budget, que ce soit dans l'élection. Pour défendre ça qui est passé en dedans, centre de marché. Parce que marché n'a pas jamais représenté. C'est sûr que nous avons confiance. Je veux dire, pour aller en élection. 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans. Si bien mes cas, l'activité de changement. Moi-même, personnellement, je suis KIPA. Ce que vous avez dit. Ce problème, c'est dans le même monde. Si j'ai un problème, je ne vais pas payer quoi qu'il y a. C'est des problèmes. Nous ne sommes pas des problèmes. KIPA, dis-nous comme ça. En 1804, en 1803, nous avons dit que nous avons Mais quand même, pour nous discuter, il faut que nous entendions qui côté nous voulons aller. Parce que quelque part, il faut qu'objectif n'est pas trop différent. Maintenant, méthode avec méthodologie est différent. Ah non, je pense que c'est seulement discuter côté nous voulons aller. Personnellement, je pense que dans l'état nous là, je pense que je vais faire l'autre formulation pour cas d'accord ou un cas pas d'accord. Je dis plutôt qui côté nous voulons aller. Mais côté nous voulons aller. Mais c'est qui côté nous qu'à aller ensemble. Qui côté nous qu'à aller dans le moment ça. Parce que côté nous voulons aller, nous n'avons pas fait théorie marxiste avec moi. Non, côté nous voulons aller avec quelqu'un qui faut nous demander, nous voulons aller tel côté, que qu'on est pertinemment bien que pas arriver là. Ni dans 10 ans, ni dans 20 ans, ni dans 100 ans. Mais il y a plus c'est là où vous voulez aller. Au cours, nous ne pas aller là. Parce que moi, pas bêtise. Oui, mais c'est juste. C'est son figure de style ou bien c'est vrai son non, dire? Non, c'est pas côté une vraie aléa. Côté une vraie aléa, c'est l'objectif ultime. C'est là, c'est le grand rêve légitime, et parfois très sincère, et parfois naïf, parfois utopique. Mais côté une caléa, c'est en nous qui quantité comme nous gagnons dans le trésor public là, en nous qui volume d'importation et d'exportation, non? En nous état des lieux, agriculture, université, femmes, force travail, quantité industrie, et qui domaine de pointe, et qui s'enlève comme ressource pour nous arriver dans le côté de ta carré. L'on réalise, ou à côté de ta carré, quand on voulait aller, c'est des rêves qui sont justes, et c'est des objectifs qui très souvent dépassent les rêves qui sont très justes, mais dans un moment historique donné, dans l'étape de développement qu'on y est, ou pas qu'à aller là, ou qu'à aller là. C'est côté m'ka qui est important, c'est pas côté m'bléa. Kounia, qui ça qui manquait, d'après vous-même, et qui fait que toute tentative qui essaie de faire, y est vouée à l'échec? Bon, parce que c'est la technique de négociation, d'une part, et d'autre part, qualité moun yo tout. Niveau yo, qualité yo. C'est-à-dire que, ou bon déficit quelque part d'hommes politiques cultivés. Ou bon politique, ou bon déficit d'hommes politiques, tant au niveau de l'opposition qu'au niveau du pouvoir. M'a dit tout le monde pas cultivé, non? Non, pas prendre mal.
Moi, je bon déficit ou bon manquement marquant d'hommes politiques de culture, pas seulement de culture politique, mais de culture générale, de pratiques sociales et sociables, de bienséance, minimum, tu vois, des termes utilisés, des façons de faire, gestion moun à moun, gestion psychologique relation moun à moun, et gon déficit extraordinaire, et depuis ces 25-30 dernières années, c'est-à-dire, même lorsqu'on, par exemple, bon groupe monde qui n'ont certaines générations qui venaient, je veux dire, entre 80, entre 60 et 90 ans, qui étaient dans l'opposition, par exemple, contre Duvalier, par exemple, ou bien contre X ou Y. Mais, gon façon que yo gérer relation à moun, gon côté yo pas, gon ligne rouge yo pas traversé dans relation à moun. Non. Ensuite, ou gagner et surenchère, ou gon surenchère constant, on surenchère des hommes, fit ensemble, l'autre là, raisonnable, comme patriote, lui dit moi-même pas qu'arriver là. Et puis demain matin, t'entends dans la radio que bah t'as pas avancé, c'est Internet qui bloque, parce que Internet est lié avec bourgeoisie, il y a avec. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on a expression, pas moins, moi je dis que quand on voulait aller ou pas convaincre moi, rapport économique, indiqué que si m'aller là, on pas faire le one day port. Et puis demain matin, nous avons des 15 organisations prennent la parole, ceux qui ont l'autre, ils ont dénoncé comme même de ça nous dénonçons. Ils ont dit qu'on changeait ou quitter le peuple là. Comme qui dirait, l'on réalise, l'on veut raisonner, l'on veut modérer, l'on veut aller côté arrivé, ils ont dénoncé. Moi, je connais un homme politique qui fut un candidat à la présidence, un bon ami à toi, d'ailleurs, qui ne m'a pas cité. Et je lui ai dit, écoute-moi, Bironi. M'pas qu'à la réunion, mon sérieux. M'pas capable. Parce que, ou après, il y a avec des mondes qui ont responsabilité de leadership politique, lui mettez 15 zigotos à côté qui pour faire basse avec lui. Ok? Qui sans culture, sans lecture, sans triture, sans écriture. Et puis, impopulaire. Et puis, voilà comment ça fait. Bon, moi-même, pensais que quelque part, il faut changer les règles. Et moi, je crois, dans la politique. Je ne suis plus en politique depuis de longues années d'ailleurs, depuis presque des décades. Mais je crois dans la politique. Je crois que Fon fait valorisation des hommes. Quel que soit ça, capable de reprocher eux. Fon fait valorisation de la politique. Mm-hmm. Mais de façon bien, de façon. Oui, mais est-ce que quelque part, et en plus de mon cap sur vous là, probablement des mondes qui, d'Acadie, gagnaient le sens de l'histoire. Est-ce que Babal dit que Fon, sénateur modestin qu'on est tout, bien des leurs, et faut pas les à suspendre, faut que c'est action tout, parce que sinon nous appelons esclavage toujours. Bon, moi-même si vous dites faut action, faut pas les à suspendre, faut action, donc vous t'as qu'à rentrer dans la ligne sans mieux. Moi je ne connais qu'une action, la seule action que je connais, c'est qui donne des résultats troublants, manifestes, c'est la révolution socialiste. Ça on peut pas le faire. On va faire tellement illusion, on va souffler ma terre, on va te souffler pendant, on va boire alcool et puis on 10-14 ans, on va boire clair. Donc, on va pas parler de bail comme ça là. Donc, c'est l'action que nous connaît qui a changé la situation. Mais, mon rêve, en tout cas, et mon rêve là, d'ailleurs, le rêve ça permet de vivre, des situations difficiles de ma vie là. Tu vois, que pas moi-même, que nous tout à vivre là. Moi-même, mon rêve ça aide à me vivre. Ok? Donc, on va prendre bagage au premier degré. Suspendre pas les fois action. Mais quelle action? Ou bon pouvoir qui installé dans des conditions difficiles face à une opposition qui, dès le départ, pas accepté du tout. Et ou gagner une opposition qui fragmentée et cap de plus en plus fragmenté. Alors, il est difficile, parce que l'on regarde chaque matin qu'un parti politique est fait. Mm-hmm. L'autre jour, une initiative intéressante, qu'en fait là, il y a plusieurs monde qui réunit. Nous, un groupement de l'opposition. Oui, un groupement d'opposition. Mm-hmm. Ils réunissent dans le jardin Kiskeya. Plusieurs organisations politiques. L'on garde des papiers ou 130 organisations de la société civile. Bon, l'on va ça. On dit, mais c'est pas possible.
12 millions d'habitants, sans grand développement industriel, sans pratique sociale réelle, sans implantation d'organisation solide. Bon, il y a une organisation qui signe, malgré ça, c'est l'organisation NEC qui a tiré bâton dans la Tibonite. Est-ce que nous apprenons à faire ça au sérieux? Qui sont vos prochaines? Nous pas les prochaines de Kavoué Baton, non. Mais on va pas dire que vous avez besoin de faire un mouvement citoyen large et avec objectif. C'est pour le président Jovenel Paty. Et puis, une organisation qui a tiré le bâton dans la Tibonite. Oui, mais il existe tout. Il y a une de ces civils là. Non, c'est sérieux. Et puis, on va pas mettre les chutes à sous même. Niveau de développement de la pensée politique, de la gestion de la avec parti politique. Non, alors pas nous sérieux. Il existe tout. Eh bien, justement, l'entrée dans la ligne populiste ça, sans t'en rendre compte, on fait exactement l'affaire du blocage perpétuel de ce pays. Chaque monde a un rôle. Yo. Et chaque monde utilise un rôle yo, dans un moment par yo. On va comprendre 130 ou bien 200 organisations de on va un petit bidonnette, c'est pas vrai, c'est un bidonnet. Bidonnette d'organisation. 130 éparpillés dessus tous les territoires nationaux. Alors à ce moment-là, bah, il y a 3 mounes, 4 mounes, 5 mounes. Non, il faut cesser cette plaisanterie. Vous voulez changer là, les choses? Il faut faire les choses avec un sens du sérieux comme ça. Je vous l'ai dit très bien. Non, moi-même pensais que il y a un pouvoir qui est installé dans la difficulté et il y a un pouvoir qui gère le pouvoir de façon pas trop correct, avec des improvisations extraordinaires, et un président qui a parlé toute la journée, qui toujours presque a gagné contre le monde, ou par contre, il toujours n'a joué, il toujours n'a plaigné, il toujours n'a attaqué le monde, il toujours bat une responsabilité d'échec, qui est raison partiellement, mais c'est pas une raison pour chaque fois parler devant le monde, c'est discours. Imagine le président de la République a campé publiquement. Dites la blague et la médaille est un bon d'ailleurs. Mais qui a causé ça? La bonne qui mon ouvre la médaille est là. Il parlait de bandits, monde qui a terrorisé monde, etc. La police là qui a à peu près entre 12 000 et 15 000 policiers avec des unités spécialisées, une formation continue, répétée pendant 25 ans. Qui ça mal fait fourrer l'armée là? Lors quand on dit la blague et la médaille est un bon d'ailleurs, à ce moment-là, il peut le transférer, habitude ça, faire de l'armée, un bagage qui peut aller dans le bon d'amour, je dis à ces bandits de mes oppositions. Tu comprends? Il faut être prudent lorsqu'on parle. Mm-hmm. Là encore, c'est manque de culture politique. Manque de culture. Ou pas ensuite, c'est grossier. C'est pas fonction l'armée ça, pour l'entrer dans le bon d'amour. Mais qui a été causé ça? Mais non, Mado, et ça demande de ça. Comme monde qui fait expérience politique, sénateur de la République, est-ce que vous rappelez ou non expérience ou que bien un président a une possibilité chita à discuter avec lui ou bah le conseil et puis le prendre? Répondez ça à moi parce que moi me l'ai dit. Moi même son seul président. Deux présidents. René Préval et Michel Martelly. Ah, Michel Martelly, c'est clair. Mm-hmm. René Préval, tout aussi clair. Conseil Godébaye, ou rappelez ou? Ah bien sûr. Uh-huh. En somme du conseil là. Alors, madame, ouais, qui conseil au débat qui j'ai entendu voilà, le 13 septembre 2013, à ma demande, m'allait côté président Martelly au palais national, m'a dit président, comment ça s'est passé? Où son président qui est un genre artiste, ce qu'on pratique depuis quelques années, et ou pas toujours bagailler au même genre traditionnellement? Je dis, monsieur, où est-ce que passé le président Martelly? Est-ce que vous pouvez innover dans le bagage, à savoir, dorénavant, on nous commémore la date de naissance de l'empereur de Saline, au lieu de nous seulement commémorer la mort, la date de naissance, c'est lui qui est important pour moi-même. C'est-à-dire, le pays a vu naître un homme extraordinaire. Et Martelly, d'accord, il me dit, monsieur, pour illustrer le changement sur quoi faire là, sur capable faire, année ça 2013, nous avons recommandé aller sur les lieux de naissance de Jean-Jacques Dessalines dans le nord d'Haïti, à Cormier, à Grand-Rivière du Nord. Eh bien, non seulement Martelly fait ça,
Martelly avec délégué départemental là, Arnaud Zifirin à l'époque, et avec un petit casque pour moi, nous chercher et nous joindre possibilité pour nous faire un vrai caractère de seul tenant pour nous faire un parc dessaliné qui est d'abord lié avec Citadelle La Ferrière, parc téléphérique. Ce que d'ailleurs, le ministre Yves-Germain Joseph avait repris en 2015 d'ailleurs. Bon, il avait signé un contrat avec. Comme ministre de planification, c'est ça? Bien sûr, ministre de planification du gouvernement de Vance Paul. Donc, Martin est écouté. Monsieur président René Préval, comme. Non, mais ça, il fait. Il utilise Théo. Ah non, Théo l'a toujours. Oui, mais il n'a pas fait. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, Martin ne fait pas ça avec un peu d'opposition, ça se comprend. Et c'était un peu l'atmosphère. Martin Martin en 2012, l'opposition contre Martin. Campé, il campé d'homme, et vraiment d'homme. Donc, pour que vous voyez Jean-Martel quitter le pouvoir, un peu, difficilement. Ok d'accord. Okay. Oui. René Préval lui-même, mais si pas un suivi, si pas un suivi, sur l'autre niveau, René Préval, que moi, compter marchand de Saline, de l'affaire Diri, et puis, monsieur, rencontré moi par hasard, on me dans le campé, dans les discours, monsieur, si, logé de tout, monsieur, René, monsieur dit, soit fait là, monsieur dit, non, me tendez qu'on a jardin, me dit oui, depuis de longues années, déjà, depuis 5-6 ans, monsieur dit, mon cher, vous ferez bon choix, etc., nous parler de nos belles blagues, et puis, monsieur dit, moi, qui sont ouais? Me dit, qui sont ouais? Bah, moi, non. Monsieur dit, moi, il faut m'agréer, me dit, pas, faut qu'il faut m'agréer. Monsieur dit, et prix en grève baissé, me dit, prix en grève va baisser, il va $150, prix en grève va 200$, monsieur dit, c'est pas ça, mais il dit, bon, c'est ça, lié. Monsieur dit, moi, que faire? Me dit, que faire, ma bon conseil? Mettez sous pied une commission. Je me dis, monsieur, bon, bah, un bal doula, peut-être pas pour une relation, mais on va voir. On va voir immédiatement. Si vous gardez système diète haïtien, ça, ils sont consommés chaque jour, pour nous, en production nationale, en accordance, côté production à absorber dans le pays, dans l'agriculture, là, couper de moitié l'importation de denrées alimentaires et nous faire agrobusiness en fonction de production ça, eh bien, n'a compartimenté pays en fonction de la grandeur, comme bonne barre que vous produit, maïsade et tel côté, vous produisez un peu de maïs, tel l'autre côté, c'est canassé, tel l'autre côté, c'est etc. Donc, faisons bonne étude de sol nous, de habitude de jardin dans la région, et puis concevoir une réforme agraire en fonction de telle classification des zones de production en tenant compte des cycles de production annuels. Pour nous faire que telle zone fait tel bail, nous toujours gagnons des résarios sur le marché, dans les supermarchés. Préval dit, ce jour-là, nous étions dans une salle de l'église catholique, dans l'école. Monsieur dit, vous comprenez, René Préval, son équipe pragmatique. Rapidement, monsieur le ministre-là, et le secrétaire d'État, Michel Chancy, un jeune homme extraordinaire, et qui aime bien avec les députés, il y a 6 ans, entre autres Michel Chancy, 6-8 ans, et ensuite, et les journalistes, il dit, mettez sous pied. Mais Michel Chancy, c'est pas la supposée génération, non, la supposée génération après. Moi, qu'on est, je pas dit même la réunion, papa. Ah, ok, vous connaissez, ok, d'accord. Ouais. Oh, quand tu as cause, gardez-vous pas. Oui. Vous connaissez mon personnage? Non, Michel, je suis 54-55 ans. C'est ça. Yeah. Même pas peut-être. Coulier là. Maintenant, René Préval, le secrétaire d'État, il est le ministre, il dit, voici, il dit devant toute la salle là. Madame Lee, l'autre ministre qui était là, et dit, voici une idée que vous avez gagné, moi d'accord. On nous met une commission sous pied. Et on est là-dedans, on dit, je ne suis pas obligé là-dedans, soublier là-dedans, ma plat-dedans. Monsieur, bon rendez-vous dans le palais national. L'avenir du matin dans le palais national, moi, compte avec le chef cabinet, monsieur, Fritz Longchamp, qui s'en chante au courant. Et puis, voilà, il fait non. Quelques réunions faites, mais la commission va me sous pied. Eh bien. Mais là, on n'a pas l'air de faire la blague ou ça passe? Non. Mabdou, il faut comprendre de nous. Nous étions en décembre 2009. Ah d'accord, ok. Bon, tu vas le reste. Oui, bien sûr. Bon, ok. J'en ai demandé en 2010. Oui, et tout ça nous connaît, et très certainement. Voilà. Mais vous voilà. Bon, garder avec vous.
Et vous regardez le pouvoir politique du président Jovenel Moïse. La raison pour laquelle je me pose une question tout à l'heure par rapport au conseil, là, c'est parce que la dernière intervention que le président fait et sur Facebook là, vendredi dernier, il y a 15 jours de ça, il dit que tout conseiller était contre que le parler, par exemple, que le fait intervention, que le bras le faire. Même dit qu'il veut convaincre tout pour le parler et puis le parler. Alors, ça qui est mal dans ça. Non, monsieur Colin, non, non, est-ce que. Hein? Président a une capacité pour convaincre conseiller. Ok. Mais ça illustre l'autre bagaille, tout. Ça capable d'illustrer l'autre bagaille. C'est que le président, c'est le premier conseiller. Mm-hmm. Deux choses. Ou bien. Tout ça qui a privé, il faut l'achever le tout parce que j'ai le prêt. Comme non, 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 c'est décision. C'est de l'initiative d'ailleurs. Ou bien le président a une capacité pour convaincre conseiller. Ou bien le président, c'est le premier conseiller. Voilà, c'est simple. Mais la situation intéressante, c'est aussi. Malgré tout, politiquement, m'a parlé. Ce qui est intéressant, c'est que, dans ce côté, par exemple, pas bien l'autre encore. Vous pensez ça? Certainement, pas bien l'autre encore. Raison? Et, non, pas bien l'autre encore. Et deuxièmement, ce qui est très intéressant. Non, mais je regarde pour qui ça arrive, mais je ça, faut dire ça arrive. Parce que mobilisation, pas vous lancer, oui, c'est là ça va annoncer. Il y a mettre lancer millions de mobilisations. C'est un exercice intéressant. Même du lock, on ne dit pas bien, pas de mobilisation, on dit lock. Ok. Même beaucoup comprennent pour qui soit dit ça, non? On dit ça parce que ma vision bagaille. Il y a une statistique de classe politique, on fait une classe politique avant là, qui est pour moi correcte. C'est la direction politique de l'opposition. Mm-hmm. La direction politique de l'opposition, ça qui intéresse là-dedans, c'est que les gagnants, certains grands ténors de l'opposition, certains, m'a dit tout est. Me dit certains. Et ça va en capacité, ça suppose une capacité de cohésion. Et deuxièmement, le plus important, le fait même qu'ils font direction politique de l'opposition, ayant intégré là-dedans AAA, VEO, secteur démocratique populaire, FUS, etc. Donc, on voit un spectrum qui est différent, qui n'est pas même souche, et pas même souche politique, nécessairement. Mm-hmm. Maintenant, ça va le permettre. C'est des mobilisations supposées ces directions politiques, ça, ou bien d'autres directions politiques capables de placer mobilisation par eux. Non. Dans Kafana, Homme, ça, tout est possible. Mais, pour faire un lock, il faut un support financier. Nèg qui sous barricade là, il pas simplement nèg capral, rançonner mon cap passé, mais il faut un nèg qui vous un petit salaire quotidien. Pas de moyens pour ça encore là. Pas de moyens. Et deuxièmement. Donc, ça veut dire que bras financiers, ils ont essoufflé. Bras financiers, ils ont essoufflé d'une part, et puis ils recevaient des messages très forts. Très forts de la puissance américaine. Ok. Ok. Leur disant quoi? Leur disant. Ou ça n'a pas mené assemblé pour payer. Ou. C'est un industriel limité, son commerçant affairiste de tout poil et sans poil, ou pas une vision, un gros système politique qui m'a géré pour me permettre de prospérer, mais par quoi que vous pouvez mettre dans une situation difficile, dans les Nations Unies, ni ailleurs. Donc, ma demande de temps, plus parce que vous bloquez vos avoirs aux États-Unis, vous avez bloqué de tel côté. Donc, parfait, vous vivez dans des grèves, vous faites menace. Oui, d'où encore mon ami. Ou mais on fait menace tout le temps, ou tire visa, etc. Mais sauf que vous parlez maquillé depuis l'autre passé, il fait trois l'autre. Non, il fait menace là, pendant que vous avez fait menace là, il y a même tout Amérique, il y a quelqu'un de là, il y a des besoins de Jovenel, tout, président Jovenel Moïse, tout pour monsieur Aligné. Il y a un jeu, il fait monsieur fait plus grand traîtrise jamais vu dans l'histoire nationale, jamais vu dans l'histoire nationale, le plus grand acte de traîtrise jamais vu dans l'histoire nationale. Vous avez de Venezuela? Ah oui. Ça c'est la plus grand acte de traîtrise jamais vu depuis 10 ans. Toute l'histoire haïtienne, c'est une histoire d'internationalistes, d'assistance aux autres peuples pour leur indépendance, pour leur souveraineté, pour leur libre choix. Le président bolivien, qui est-ce qui dit si demain l'ambassade américaine ou bien le département d'État dit qu'il ne pas reconnaître le président bolivien, Arce, elle n'est pas étonné que la présidence haïtienne ne dit pas président bolivien. Tout est possible avec ces messieurs. Tout est possible. Ce dont je crois, cette direction politique de l'opposition, c'est une bonne chose. Lui permettre une négociation possible entre le pouvoir-là et l'opposition haïtienne. Ou tout au moins cette frange de l'opposition haïtienne. Et je veux te dire, par le fait même que créer direction politique-là,
li traduit sans le dire yon volonté pour négocier. Mais il y a des initiatives comme ça qui prend plusieurs fois et ceci pas qu'on y a retourner dans le temps et pour nous aller par exemple des initiatives de ce genre qui prend et qui vient accoucher peut-être qu'on est espace de concertation et tout le reste. Mais maintenant, est-ce qu'on pas remarqué tout au niveau de ce que pendant une tentative qu'a fait pour essayer de regrouper l'opposition, pour chercher un leadership qui est pluriel, ou gagne l'impression de gagner une inquiétude, une peur pour que nous affichions derrière peut-être un leader, pour nous dire que voilà le leader de l'opposition. Et c'est peut-être une barrière qui fait que il y a des gens qui disent que par rapport à leadership, que APC cherche au niveau de l'opposition, que pas qu'à joindre, c'est ça qui fait le difficile de atterrir. Par contre, c'est l'étude par où. Non. Et le leadership dont il y a cherché là, c'est un leadership collectif. Soit nous classons ça, c'est pas un leadership individuel. Leadership individuel, il a émergé, il saute dans le peuple, il saute dans la couche moyenne, il compte même sauter dans la bourgeoisie, dans la grande bourgeoisie. Ça qu'on est arrivé dans certains cas dans l'histoire. Fidel Castro, son autre, c'est une société, un fils de bourgeois, et aisé. Et maintenant, Mbakwe, l'idée d'un leadership individuel là, possible en Haïti actuellement, et j'ai suggéré, non pas dit, trop n'est que besoin président, trop n'est que besoin président dans le pays, trop monde besoin président. C'est terrible, c'est même horrible, terrifiant. Ceci, il y a fait un tort à même lutte qui a mené. Hein? Et ensuite, il y a discrédité la chose politique. Parce qu'il y a des gens qui connaissent clairement que, mais pour qui ça ou besoin président, ou pas qu'un président, ou pas doué président d'ailleurs, pour bien être pays. Hein? Non, ou tient président. Donc, sont emmerdeurs, qu'on y a un fauteur de troubles, qu'on y a. Mais on ne peut pas arrêter, fauteur de troubles, ça ne peut pas faire rien. On peut rire seulement. Mais pour faire face à côté de tout ça, il faut qu'on conduite de monde que nous sommes capables de faire certains crédits politiques. Il faut qu'on conduite, il faut qu'on comportement pour ne pas quitter espace pour fauteur de tout politique. Ça a émergé. C'est vous-même qui compte faire politique d'expérience et que ou une certaine visibilité que on a société comme un ancien sénateur ou bien un homme politique raisonnable. Ou à essayer de jouer flip-flap tout le temps. Dès que vous jouez flip-flap, on ouvre la porte pour un extrémiste démagogue. Il faut constant, il faut qu'on ait beaucoup de pas qu'à aller. Pourquoi ne pas qu'à aller? Pourquoi ne pas aller là? Parce que conséquence centrale pour vous, parce que demain, c'est vous pour être responsable. Oui, sauf que excuse que vous comprenez, c'est que la politique ne se fait pas en ligne droite. La politique fait un zigzag, oui, c'est ça. Il faut zigzaguer, mais il faut zigzaguer en avançant. Ou pas qu'à zigzaguer pour faire non seulement du sur place et pour faire marche arrière. D'accord, c'est zigzag tactique, etc. Oui, mais sauf que, contrairement à ce qu'on dit, et au niveau de direction politique, opposition, il y a même eu clair, il n'y a pas fait mouvement, il n'y a pas fait regroupement ça pour à des fins de négociation, il y a clair sur ça. Attends, parlons peu, mais parlons bien. Moi, dit que il n'y a pas dit ça. Moi, pas dit, il dit ça. Ma bon exemple. Dernièrement, l'opposition sortit une note publique pour dire que apparemment la présidence a induit en erreur l'ambassadeur américain aux Nations Unies. Ok, très bien. Mais l'Amérique connaît très bien pas induit en erreur, n'est-ce pas? Yon. Et deux, l'opposition tout connaît très bien qu'Américain connaît pas induit en erreur. Mais lors écrit une note de ce genre, qui ça? États-Unis d'Amérique, la France, à comprendre. La comprendre clairement. Si on dit dans notre ouan que pas aucune négociation, c'est vérité. En fait, pas aucun projet de négociation, c'est vérité. Donc, si on dénonce qu'il n'y a pas de projet de négociation, qu'il n'y a pas de négociation qui a commencé, c'est que quelque part, on est intéressé à négocier. Dans des conditions X ou Y.
Parce que c'est l'actu ça que le diplomate peut faire. Dès qu'on a sorti une note pour dire pas de négociation, etc., ça veut dire que si gagné, on va procéder à l'unité. Parce que même à la main d'où là. On prend note ça, qui est 3 semaines, avec si la de dernière, avec la direction politique de l'opposition, moi et tout, c'est une bonne chose. Libéral orienté, li capable éventuellement orienter combat politique à faire non meilleure cohésion, li capable mettre non meilleure cohésion nationale. Et d'une part, li capable yon instrument qui pour permettre de négocier avec la présidence actuelle. Quand elle a, je dis au pape négocier. Entendons-nous. Ou bien deux bagages capables de faire le pape négocier. Ou capable de jeter président avec les moyens qu'on gagne, ou prend pouvoir. Ou bien pas négocier, ou quitter les choses traîner jusqu'au terme du mandat du président, à ce moment-là, après la transition. Ok? Ou bien deux choses capables de faire. Okay. Ou bien quitter ou traîner ou pas négocier. Mais pas d'élection pour changer président, pas aucune élection, puis river. La même chose qui s'est passée ce matin, river 7 février 2016, Martelly, j'ai parti parce que pas d'élection qui finit. Donc, ou pas arriver dans le chemin, ça s'ouvre. Sous pas négocier. D'ailleurs, pas obligé de négocier. Mais attendons-nous. Si nous considérons aujourd'hui, nous sommes en août 2020, et que l'élection présidentielle supposée faite en novembre, en octobre 2021. Alors là, bref, un petit monde, d'ailleurs, dès que ça m'a parlé là, ben oui. Parce que pour lui, mon destin, mandat Jovenel finit en 2022. Voilà. Ok. Il n'y a pas à sortir de là pour moi. Et je ne suis pas quoi de personne capable de convaincre moi du contraire. Tout exercice constitutionnel, je ne suis pas comprendre. Yo. Parce que moi, je suis très pragmatique sous question ça. Et me parle même la négative pour la constitution. Il y a une forme de lutte du 19e siècle pour renverser le président. Il y a un compte bagarre qui a utilisé, qui est capable de mobiliser les citoyens dans l'existence, dans la vie courante, etc. Ok, je ne vais pas rentrer. Matin, je ne choisis pas rentrer dans le débat. Ça me devait dire. Je devais dire que si on perspective d'élection en novembre ou bien octobre 2021, il y en a pas en fait en octobre 2021. Mais c'est certain que le président Jovenel n'est pas président après 7 février 2022. Donc, si oui, s'il fait le parti avant, s'il est d'accord, si pouvoir, opposition, donc capacité pour convaincre différentes classes sociales et l'international aussi, parce que le jeu doit se faire, il faut l'admettre, et on le sait, pas admettre, on le sait, avec l'international. Sous pas qu'à entendre avec l'international pour le parti avant, pour le parti 7 février 2021. Que nous convaincus que le mandat finir, à ce moment-là, ou bien deux fois, ou bien négocier pour l'aider avec des conditions que, ou capable même faire de président Jovenel, ton président provisoire, de transition, pas provisoire, c'est-à-dire, un président de transition vers telle chose. Toute question constitutionnelle, amendement constitution, il est capable de faire sous présidence, le président Jovenel, il est capable de faire sous présidence, lui. Mais dans la mesure où, bon accord politique qui mène à ça, conseil électoral, ça, l'immorné, il va parler de nulle part, et je connais le parler de nulle part. Est-ce que son moyen pour négocier avec l'opposition qui est lié, peut-être bien, mais il est mouru, il est tombé, il est vivant. Je vais retourner sur le point ça que on fait là, c'est un peu modeste, mais bon, regardez, l'opposition lui-même, à un certain moment, notamment le secteur dit démocratique et populaire, où l'impression est là, une sorte de poivre en dedans, et quand ça expression ça veut dire. Il y a des poivres dans le nous. Il a attaqué l'autre et il y a qui fait de manière très subtile, il y a qui fait de manière très ouverte, puisque il a monté sur les réseaux sociaux, il a attaqué des gens qui sont dans eux, qui sont dans eux, il a dénoncé dans les médias, publiquement, ouvertement, etc. Qu'on a eu l'impression que les gens sont déjà prudents parce que dit que. Donc c'est le bail privé que tu parles, qui vient naguer dans la rue, mon pape qu'on est là, t'as discuté. Quand on vient jouer Moïse Jean-Charles, bon côté parle, et m'daka dit, ranger col on bord, guet des attaques qu'a faites contre Moïse Jean-Charles, moins tendé Edmond Supplice Bozil, c'est savonner le savonner Moïse Jean-Charles. Donc, quelque part, est-ce que ça va venir fragiliser l'opposition davantage, dans le sens que chaque monde a un petit dossier pour chaque monde, et puis, il y a peut-être moment opportun pour la gueule. Je ne pense pas que ça fragilise l'opposition en tant que telle. Je pense qu'on fait quelqu'un de bail. Je dis à PA, il y a 12, entre 11 et 13 millions d'habitants, peut-être bien, moins, je ne sais pas.
Moi, c'est l'aime qu'on a fait politique longtemps, pas bien téléphone, pas bien radio assez, dans le pays, il y a 3, 4, 8 stations de radio tout au pied à travers le territoire national. Il y a une dizaine d'hommes politiques, donc, pas parler dans la radio, qui ont certaines cultures politiques que nous avons parlé avant, certains comportements, certaines bienséances, certaines façons d'être en tant que citoyen, qui fait que bagueur pas qu'on parlait avant en pile. Et à mesure que façon d'être ça, façon de faire ça, il a grioté, et il vient moins payer lézardé par la forme même que mon géré relation à mon pays, il est très lézardé, très lézardé. Donc il vous porte pour des comportements aussi bizarres. Il n'y a pas besoin pour gratter, non, vous ça. Il y a besoin simplement pour les réseaux sociaux, pour Internet, là, pour WhatsApp, là, pour la composer sur le monde. Et puis, au puissant, ou la composer sur le monde de façon anonyme, et puis l'autre monde reproduit. Il n'y a pas besoin de vérifier, il n'y a pas besoin de pas vérifier. Il y a ceux qui détectent qui longuent capot au prince pour faire une analyse sous président Jovenel, qui n'a pas rien pour avec vérité. Ils ont mélangé toutes les choses à dessein. Il y a eu des confusions. Donc, tout le monde dans le pays, c'est homme politique, il fait science politique, il fait science sociale, il fait science de développement. Tout le monde, mais tout le monde derrière un téléphone. Okay? Tout le monde derrière un téléphone, c'est des sommités intellectuelles. Ils ont copié n'importe quoi, n'importe qui côté, et puis ils racontent un causé qui n'a pas marché. Donc, pour moi-même, c'est pas pour aggraver. Pour moi-même, délinquantisation sociétaire qui sortit depuis le secteur populaire, yo, qui sortit depuis le peuple, tout. Parce que la corruption, on voit la corruption seulement de la bourgeoisie, de l'État, mais il y a aussi de la corruption aussi au sein des masses populaires. Ah non, il y a ça aussi là-dedans. Là, déjà, il y a plus qu'il y a devant nous, il y a devant nos galons, il y a un bidon gaz. Et puis, il y a un grand d'avocat, il faut un grand d'avocat, il crache un grand d'avocat. Donc, ce sont formes de corruption, etc. Bref, pour moi-même, délinquantisation sociétaire, les manifestes, il va besoin de pouvoir gratter. Par le monde qui l'a fait pouvoir gratter. Mon n'y a pas dit repère. Mon n'y a sauf qui peut. L'église démissionnait en partie. En partie. Okay? Les comportements même des hommes d'église créent conditions ça, tout pour démission ça. Comportement odieux dans bien des cas. C'est terrible, c'est horrible ça qui a passé dans certaines congrégations, dans certaines confessions religieuses. Donc il ne faut pas voir seulement les hommes politiques. Il faut voir aussi les autres secteurs. Des comportements de pasteurs, c'est ignoble. Ignoble, comme on dit les six François Maniga ou bien Rostel Manuel. Ignoble. Voilà. Alors, entendons-nous. Donc, c'est pas politique seulement, politique de la société, c'est mignon et tout. Société influence ce comportement, yo, à bien des égards, sinon même à tous les égards. Et yo, même encore plus. Parce que même, il y a besoin de pouvoir. Il y a besoin de mettre au diapason avec le peuple, parfois. Donc, ça veut dire, yo prend des choses terribles dans le comportement, yo. Parce que diviser son palais là, Madame Bozil, dans le lit. Madame Bozil critique Moïse Jean-Charles. Et, ou dit, ou même ce décalé là, que Moïse Jean-Charles prend l'autre route. Mais c'est gros ça dit, hein? Qui route il prend, mon cher frère? Non, une route qui n'est pas allée dans le même sens avec l'opposition formelle, si vous voulez, c'est-à-dire avec le regroupement ça. Il y a un regroupement ça, fait là. Bon, premièrement, Moïse Jean-Charles n'a jamais vraiment aucun regroupement. Petit Dessaline n'a jamais vraiment. Oui. Petit Dessaline toujours bon pied en dedans, pied dehors. Donc, il part pour l'autre route. Il n'a route pâle. Route qui toujours gagne. Il y a une route, mais avec nous, même une marge d'autonomie que je vais être moins, pour ne pas phagocyter. Oui. Bon, il est clair que Mme Bozil, pas précis, n'a rien à dire non plus. Mme Bozil, que je connais, qui est bien articulé, choisit bégayer sous chaque toit, moi, il bégayer. Donc, on ne peut pas comprendre, depuis qu'il est Mme Bozil, on est relativement jeune, pédit langage comme ça. Bon, c'est des gens qui viennent pour ne pas te dire, on va pour nous te saisir. Parce que si Mme Bozil. Non, mais ça va passer. Non, Mme Bozil n'a pas qu'à la gagne comme ça. Et puis, sont retenus là-dedans, la preuve vous pas saisir, sont retenus, il a avait mouru. 120 millions de goudes, et, ou quoi, ne pas connaître que l'autre a fait bagaille et qu'on a vu, monsieur, c'était. Non, Mme Bozil n'a pas qu'à parler comme ça, c'est chef de parti lié. Mme Bozil doit parler avec précision. Monsieur Moïse Jean-Charles, lorsque vous avez eu à faire tel bagaille, vous avez le soutien du pouvoir à tel montant, et que ce n'était pas clair. Depuis qu'on a bégayé, ça veut dire que vous faites un bout de chute, c'est un bec, vous faites un coup de piqûre. Non. L'idée politique, dirigeant politique, pas parler comme ça. Parler clair.
Quelqu'un avec un goût dans le Sénat, etc. Le sénateur Lambert. Non, non, non. Assumez ce qu'on va dire. Pas citer Lambert. Pas citer sénateur Lambert. En tant qu'ancien sénatrice ou bien sénatrice, voilà, tel bagaille. Au Sénat, le problème était posé. D'abord, Baba est en forme à niveau politique. On va faire comme si on tire au portail, on va faire sous son dossier avec comme bazar. On dit sénateur là, pas gagné, il primaire. Là, je n'ai pas besoin de sens à primaire, vous l'avez dit, etc. Donc, on vague sous question. Parce que vous comprenez très bien, l'autre sénateur primaire, primaire, vous l'avez dit quoi? Mon dit primaire, pas qu'à faire une affaire politique? Ah ben non, c'est pas ça, vous l'avez dit, probablement. Mais, il y a un mec qui le dit, il faut être précisé pour celle. Bon, moi, mon opinion sur le sénateur Mouja Charles est déjà connu. C'est déjà connu, le sénateur Mouja Charles, son équipe en service et au service depuis 1997. Voilà. En service et au service de qui? En service et au service de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. N'a pas le Kimon. Nous parlons de Mouja Charles. Au service de l'ambassade américaine? On dit au service et en service. Et me répéter samedi. Et ceci depuis 1997. 1997? Oh yes! Mais Moïse Jean-Charles, c'est un monde qui va nous. Ah. Non, mais qui t'aime Dieu? Qui t'aime? Non, pas de l'image, vous n'avez. C'est un monde qui va nous image de monde qui cabaille justement et l'établissement américain en frappe. C'est Moïse Jean-Charles. L'établissement américain qu'on crée, nous savons même pour lui. Ah, d'accord. Et maintenant, racontons un seul événement pour comprendre bien. S'ouvre les saisines bien. En 1997 ou 98, Renaud Bernard Rodin, sénateur de la République, a été approché par Geneviève, la compagnie exploitant les mines d'or dans la région du nord d'Haïti. Parce que des mines pas merdé des compagnies quelque part. Et puis, il a été voir Préval, et Préval passe instruction pour que ça cesse. Il finit par faire enquête, il voit implication, Maurice Jean-Charles. Sénateur Bob Manuel, son équipe d'hommes débarqués dans le nord d'Haïti au cours de la nuit. Bob Manuel va être sénateur, non? Excusez-moi. Secrétaire d'État aux affaires à la sécurité nationale. J'en suis navré pour l'erreur. Eh bien, l'heure arrivée, la bonne à Maurice Jean-Charles était là, et t'attends, tiré sous yo, etc. Maurice Jean-Charles de là tout? Maurice Jean-Charles Patla, pourquoi il bat là? C'est parce que un grand homme d'affaires du Nord, qui s'appelait propriétaire d'hôtel, Nicolas Boussénius, qui était très proche de Maurice Jean-Charles, et Nicolas Boussénius, jusqu'à très tard. Oui, parce que hôtel où est tiré l'hôtel Montjoul, il y a un petit simple hôtel, c'est dans l'hôtel, ça y a négocié retour président, il y a négocié présidence Préval en 1900, combien, et ça Préval avec Christophe Dodd, qui était dans l'hôtel, ça. Hôtel, ça, c'est un point de chute pour certaines négociations faites pour Haïti avec des parlementaires, des gens du service secret américain et des hommes politiques américains, des hommes d'affaires américains. Ok. Bon, son entreprise, je viens de utiliser, puisque pas de 50 hôtels au Cap, je viens de utiliser, il y a une bureau activité. Ok, même Décadou, au série du Christophe, Décadou, on l'autre encore. Hôtel Deck à l'époque. Bon, bref, mais je pense à. Alors, le jeune fils du propriétaire, sur l'instruction de son père, il a été la loi Moïse Jean-Charles pour ne pas déplacer. Pas quitter ses grands côtés. Ok? Il dit, monsieur, allez plus loin. Écoutez bien. Bientôt, le jeune fils du propriétaire de cet hôtel, ouais, Moïse Jean-Charles, le balcon, il dit déplacer. Il dit, monsieur, le conseil politique de l'ambassade des États-Unis a pété au lot depuis plusieurs heures, il n'y a pas qu'à venir de déplacer parce que gros opération prend fait ce soir contre installation, radio, etc. Cette opération fut faite sous l'ordre de Bob Manuel et l'opération a été conduite sous la direction du commissaire de la ville du Cap-Haïtien, M. Raph Pétière, qui est actuellement sénateur de la République. De la République. Là, nous avons qui année encore? 97 ou 98. Ok. Tu étais attaqué média alors, le ça? Monsieur Degon Radio. Il t'a fait mobilisation à radio. Il y a une radio de Mille Collines, du genre de Radio Wanda, du genre de Radio Zénith, par exemple. Même style là. Ok. Ok. Bon, les informations, comment m'expliquer lui? Bon, non. Bon, précisément, je me dis, nous l'autre année. Un de son conseiller politique de l'ambassade américaine qui a révélé le coup de déplacer.
une opération de USGPN ou bien SWATIM, ok, et le sénateur Fethia est vivant, ou commandez c'est le commissaire de police capaïtien. J'ai un garçon de 25 ou 26 ans à l'époque. Oui. Alors, quel a été le bilan? Le bilan? Eh bien, on a saccagé la station de radio, on a la saboté, parce que Pajou Moïse, t'es un monde qui est blessé, dans le cas Moïse, et puis, il n'y a pas mort, il n'y a pas blessé, et puis, au niveau de la police, t'es un blessé tout. C'est grave, mais la police s'est arrangée pour que blessé lui, il ne pas rentrer avec lui comme blessé. Mm-hmm. Tout ceci, c'est pour dire quoi? C'était pour confirmer que. Il est en service ou au service. Ok. Voilà. À faire focal, là, vous connaissez son mari qui fait comme ça, ancien rien. L'homme où Jean-Charles a déclaré publiquement que c'est l'écrit focal, c'est qu'il est faux. Mais pourquoi il a dit la focale? Pourquoi il a moi, déclaré publiquement et la presse n'a jamais posé la question de façon directe? Comment faire qu'on déclare au écrit qu'on rencontre avec, comment s'appelle-t-il encore, John Soros, Guantanamo Cuba? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-il de Cuba avec Evo Morales, avec Lula, etc. Et puis c'est amis et Bataille Ouya qui a traduit pour Moïse en espagnol en 2008 en Argentine. Ensuite, est-il de Captain Cuba? Non, Moïse c'est un type faux. Et dans ce sens, Mme Bozil n'est pas courageuse. Si elle voulait dire quelque chose sur Moïse Jean-Charles, elle devait être précise, c'est un leader de parti. Il n'y a pas qu'à la rébaille comme ça. Moi qui ne suis pas en politique et qui ne sera jamais plus en politique, là m'a parlé de la question, mais essayez d'être précis. Me fait effort là. Je l'ai toujours dit d'ailleurs, Marie-Langue de Bois. Je ne suis pas de personne d'ailleurs. On fait plaisanterie, qui part de très bon goût, parfois. Okay. Est-ce que depuis lors, on voit pays à Milo, ben j'aimerais lasser, non? Maintenant, il va jamais lasser. Pas de nécessité. Okay. Pas de nécessité. Ceci dit, l'opposition n'a pas un poivre qui tombe sur vous. Pas aucun poivre. Oui, mais Gomba et Godidam, qui a quitté le bassin, on connaît quand même ces médias avec médias. Et Gon flèche ou fait sur Radio Zénith là, ou capi clair sur lui. On n'a pas de Radio Mille Collines. Vous savez, ça, Radio Mille Collines. Ah, certainement. Peut-être qu'on dit de pas qu'on est Radio Mille Collines, c'est Radio Nwanda qui t'a attisé la haine, la division, les tueries, les massacres Rwanda. Les bons flèches liées. On dit ça, c'est Radio Mille Collines, peut-être auditeur ne pas comprendre. Pas de connaît, mais où tu connais. Donc, Radio Mille Collines, son radio, c'était Rwanda, à l'époque, massacre Rwanda, qui t'a attisé, divisé tes outils et tout. Donc, voilà. Mm-hmm. Ok. Mais on a, mais qui ça que fait? Je dis à, bah, on est nom, moi, on pile flèche, à fait, contre moi et Jean-Charles, on regarde sur les réseaux, et, on pile petit appui, moi, après, et semaine ça. Mais, bah, c'est pas nécessaire. Moïse son est qui relativement populaire, vrai, parce qu'il sait manipuler les mots, il a un parler qui est attirant, même si c'est comique, et il est son sort de nez qui apprend vite, et certaines choses il n'a pas qu'à développer longuement, mais il apprend mieux vite, et il y a des petits points qu'il fait qui, comme Moun, qui est bien, c'est pas, il n'est pas plus méchant qu'on l'autre. Tu vois, il va plus méchant qu'on l'autre, il va plus cynique qu'on l'autre. Du tout. Donc, mais il fonctionne dans le jeu politique national là. Oui, mais est-ce que, comme c'est l'analyse qu'on fait par rapport à, et vous respectez ça, hein, par rapport à façon, moi Jean-Charles lui-même lui a positionné, etc. Est-ce que quelque part, au niveau destin, moi Jean-Charles pas dit d'être lui, il a une capacité de convocation, livrer pour que moun ki autour de lui dans opposition admettent ça et que pour yo reconnaître force li à sa juste valeur. Est-ce que pas de ça Moïse Jean Charlier? Définitivement. Je sais pas vous connaissez ça lui. Correct. C'est-à-dire donc ma bon exemple. Tu vas dans le nord d'Haïti dans pile qui là Moïse Jean Charlier entre 50 et 53 ans. Il connaît très bien qui est ce qui Moïse Jean Charlier. Mais sur la base régionaliste, sur la base qui était comme militaire avec une association étudiante, et sur la base du discours que j'aime bien, je préférais pas dire rien. Si le bon, il y a tout bon. Mm-hmm. Mais je connais l'air pour raconter au même encore. Par exemple, moi je suis en 2006, moi je suis dans son manifestation contre la transition. Mais moi je suis allé entrer dans le corridor. Dans le 7.
Très bien. Rapidement, c'est le ministre qui me dit que je suis bloqué là, c'est le ministre qui me dit que je suis là. Ok. Donc, moi-même, pas contre, je ne pas moi-même, ça, ça me tente. Donc, je connais Moïse très bien, je connais Moïse des limitations. Ok? Mais je connais son instrument important dans la balance pouvoir là. Et sans se dire par rapport à Moïse Jean-Charles là, correct, Moïse Jean-Charles a boumé pour reconnaissance. Et Moïse Jean-Charles, il y a ceci de particulier, il est présent au bon moment dans toutes circonstances. Mais ce n'est pas mauvais comme politique. Il est présent au bon moment dans toutes circonstances. Revenons maintenant à la chose essentielle. L'opposition haïtienne n'a pas de poids gratté. L'opposition haïtienne est conforme à elle-même. Ok? Mm-hmm. Président Jovenel, pas comprendre déplacement échiquier sa opposition, ça fait dans la direction politique de l'opposition autour du président. Il fallait l'expliquer, mais comme président, les mêmes cas qu'on veut conseiller, il fallait l'expliquer au président son instrument qui est important pour pouvoir apprécier et pour le considérer. Pour le tendre et pour le négocier avec lui. C'est le président qui n'a pas d'attitude. Puisque m'a mené ce jour-ci, dollar baissé et gaz baissé légèrement, etc., je ne pas occupé l'opposition. Je ne pas fait ci, je ne pas fait ça. Je ignoré. Je ne pas faire chaos encore. Je ne pas faire rien encore. Eh bien, c'est bien. C'est vraiment haïtien. Bon, tout ce temps. Oui, les gars doivent bien compter, mal calculer, mais quand même, Mais très souvent, président, c'est président Jovenel qui a une pratique extraordinaire. C'est le type qui excelle dans la pratique de se foutre une ou deux balles au pied. Mm-hmm. Il excelle dans cet art. Il manipule le revers tant coup Django, puis bataille deux balles dans le pied. Pas étonnant. Il a bataille deux balles dans le pied. S'il pas comprendre importance, direction politique, de l'opposition, ça qui fait mettre la sous pied, c'est qu'il est en route qui va être de balle en pied. Parce que international, à quoi il dit, déjà l'Union Européenne insistait pour que la crise à résoudre par les négociations. Ce sont des gens qui jouent pour les Américains tout en ayant une certaine opinion. Vous me connaissez, Bamando, c'est pareil. Et puis c'est gars, pas qu'humain. Le, nous avons le même objectif qui s'est renversé Jovenel Moïse, en tout cas. Théoriquement, c'est ça l'opposition dit, c'est ça Moïse Jean-Charles dit, etc. Et sa famille Lavalas dit. Mais pour qui ça fait que nous pas qu'à mettre divergence nous de côté, et puis nous font fond uni, ou fond commun, nous combattre l'ennemi commun qui c'est Jovenel Moïse. Oh, Valérie Numa, vous retournez encore avec des volontaristes politiques, ça. Yo pas qu'à mettre ensemble pour combattre l'ennemi commun, parce que premièrement, l'ennemi commun, c'est un individu qui est lié. L'ennemi commun, pas système non vrai. Voilà la question. Parce que gagne qui combat Jovenel pour remplacer Jovenel dans le système non. Donc, yo focaliser bagaille là pour la question électorale sous PHTK sur la personne du président. Et là, on dit que le système, yo connaît très bien, car yo pas analphabète, et yo même brillant à certains égards, c'est pas système là qu'un pinot veut changer. Yo le système PHTK, pas qu'un système PHTK, pas qu'un système PHTK, et pas bien qu'un système, aucun parti politique au pouvoir. Non, yo pas capable de faire tête ensemble tout le temps parce que il y a la nature propre d'ambition personnelle chaque monde, chaque groupe. Il y a aussi comment on prend le point de pouvoir si on pide devant ma princesse espace de pouvoir dans la transition. De mon leader politique, ça reste 8 mois, qui dit, on est sur le pensée ici dans la transition. Hein. Monsieur dit, monsieur position PAM, que les gens qui sont en politique n'occupent aucune fonction important, ni ministre, ni quoi que ce soit, dans la transition. Il me dit, monsieur, mais ça, son idée originale. Mais vous allez vous faire tuer. Par vos pères. Je me parle avec un dirigeant politique. Non. L'homme dit, monsieur, sans penser des positions, ça, que sénateur gagne. Monsieur dit, mais sénateur, pas un bon délinquant.
bon connaît sénateur son vagabond après m'ta fin faire toute bataille ça contre Jovenel que c'est pas ta moun pam qui ministre. Voilà. OK. Voilà. Est-ce que vous voilà. Donc, mais dit Capio, c'est ces difficultés que nous connaissons, qu'on connaît très bien d'ailleurs. D'ailleurs, quand on fit là, on a écrit 14 livres. On dit qu'avec 14 tonnes sur les pratiques et les leurs politiques haïtiennes. C'est probable de parler sous Paris. On connaît non suffisamment, oui. C'est probable de parler sous Paris. Donc, où est bagaille là? Ce n'est pas mandé nous n'ayons pour faire unité tout ensemble contre Jovenel. D'ailleurs, pourquoi cette unité contre Jovenel? Ça, non, monsieur, objectif là. Au niveau des saints, objectif là, c'est vous et Jovenel aller. Les têtes sont ensemble, vous et Michel aller. Mais pourquoi vous qui ça vous avez obsession? Parce que le pays a décrémé ce Jovenel. Bon, maintenant, supposons que Jovenel lui-même, ma ville, tête ma peau. Supposons que le métier de Jovenel a fait un pouvoir favorise l'opposition. Ça me dit qu'il n'y a pas de pervers pour un pile monde. Supposons même, Jovenel, jaune dollar à 67%, mais jaune émigré à 60%. Jovenel attaqué des contrats, qui bizarre. Jovenel attaqué monde qui est, et comment ça s'appelle, exemption de, etc. Et portateur, etc. Bon, après la vie, ça sont bien causé. Exemption de gîte, parce que c'est pas exemption, non, mes amis, femmes, ce non. Sous taxe, taxe, impôt. Oui, il y a des nègres qui ont. Franchise. Jovenel frappé fort, question contre l'électricité. Jovenel ne peut pas délivrer son discours illusionniste, son discours de magicien, etc. Mais Jovenel, en attaquant de façon pas toujours bien, il y a un secteur qui constitue pour le monde d'affaires politiques son blocage dans le développement pays, mais en même temps, il y a pris l'argent, mais c'est que ça a profité Jovenel, ou à contradiction. Donc, il n'est obligé pas qu'à parler. Parce que contrat d'électricité, il n'est pas bon vrai. Jean-Claude ne peut pas le faire. Donc, question gazio, il était mal fait vrai. Le président Jovenel a raison. Donc, eh bien, mon cher, moi, je suis en opposition. Mon cher, moi je prends la rue pour moi des Jovenel faire plus toujours, pour les monter au pouvoir, pour me baguer me faire face à ça, Jovenel a fait face là. Pour Jovenel déjà résoudre le problème pour moi. Problème électricité pour Jovenel résoudre pour moi. Ah non, mon opposition, c'était des Jovenel. Mais moi, nous connais, et qui t'aime du moi parle avec des mondes qui. Des leaders politiques, ok, qui font confiance, ils partagent des éléments, informations et avec moi, ok. Je dis que tout soit en déa et des négociations en bas qui étaient en fait pour que des mouns, des figures de l'opposition, là, qui t'avaient le premier ministre, qui t'avaient le ministre, eux même non, mouns qui t'avaient le cabinet ministériel, des mouns politiques, tout avec Dieu qui pas prennent là-dedans, qui pas ceci, qui pas cela, mais entre eux, t'es guetté un combat comme ça fait. Vous êtes au courant tout? Comme on marche en bas, non, mais. Côté de ma marche en bas, la mer, c'est vous qui mettez ça. Et, où est-ce qu'on parle là? Sordi intéressant. Mais c'est très dangereux, Sordi et Jondil là. Très dangereux et Jondil là. Sans vous en rendre compte, sans t'en rendre compte, ou gâtez bah là. Et vous? Oui. On pas dit parole aussi général. C'est général, Sordi, à son plan d'ailleurs qu'on fait là. Et c'est dangereux en communication. On connaît ça très bien. Pas fait ça. Si vous n'avez pas dit non, qui moun pas d'informations qui belle pour vous. Pas fait ça. Pas du tout. Mais les informations sont dangereuses. Ils sont très dangereuses. Mais certainement, sans dire, moi, madame, j'aime pas capable de dire comme ça. J'aime dire comme ça dans la radio. Parce que l'homme dit ça, nous voyons plomb sur tout le monde. Mon pas compte qui mon m'a parlé. Donc qui mon dit crédibilité pour parler. Parce que ça m'a dit et casser un nan yo. Je ne peux pas faire cela. Je ne dois pas faire cela. Peut-être que vous avez droit. Ok. Mais qui m'assumer encore. M'a pas assumé. M'a pas assumé que. Non, monsieur. Non, moi je ne m'a pas assumé. Puisque, écoutez. Et gagner un journalisme au niveau destin. Et tu peux décider de faire
ce qu'on appelle une rétention d'information volontaire. Oui, oui. OK? Oui. C'est un choix. Oui, 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 ça peut donc, être ça. Moi, je fais choix. OK. D'accord. Qu'on y a, on nous dit que je vous dis, si tu as supposé gagner une radio transition assez large, assez ouverte, monsieur que gagner un ensemble de figures que n'a pas obligé besoin là-dedans. Mais besoin, t'aimes besoin pour équivoque. Continuons. Mais gardez la réalité à poème, supposez qu'on suive ça. Il y a plusieurs notes qui ont sorti et on sait de mon abdi non, il n'y a pas là-dedans. Il mettait non même oui, il n'y a pas là-dedans. Le dernier qui sorti à l'âme quoi et gagner. D'abord, il y a Kelly Bastien qui te dit il n'y a pas là-dedans. Il n'y a pas là-dedans qui ça. Il va prendre transition dans le pouvoir transition, il va prendre poste dans le pouvoir transition, le pape là. Et André Michel font bagage sorti, Major Michel signe le tout, on l'autre monade qui te dit, il n'y a pas là-dedans. Yem, quoi, moi se voit, on l'autre, et Nenel Kassi dit, il n'y a pas là-dedans, plusieurs autres. Donc, ça, chaque monde a fait du café. Café. Nenel Kassi, son candidat à la présidence, qui baisait pour trois postes clés dans la transition, tombe même pas de nouvelle fois pour faire campagne présidentielle. Ok. Hein? André Michel était candidat à la présidence, il était candidat au Sénat. Lui, peut-être qu'il y a des avenirs, des ambitions, recommencer dans un sens ou dans un autre. Et très souvent, moi, j'ai fait qu'on dit qu'il n'y a pas de monde dans le gouvernement. OK? Privé. Très souvent, il n'y a pas de monde. Il y a négocié pour mettre au monde, pour ne pas dire que c'est monde pas. Et il y a même du sous-dit que nous monter la radio démentie. Ou... comprends bien. À quel jour on joue? À quel jeu joue-t-on? En Nenel Kassi, il y a une crédibilité pour l'aide du personnel pour mon quoi il va là dans eux. Nenel Kassi, ancien du PLB, peut après il mettait deux dans le PLB parce qu'il louche. Oh. On peut même pas l'enlever. Parce qu'il louche. Chandi là. Il me dit, Nenel Kassi, t'es dans le PLB, le parti Louis Barrière de Renaud Bernard. Et après il mettait deux, parce que monsieur sont bizarres. Ou pas qu'à Zangui, ou pas qu'à Zangui, qui a filé dans le monde, à droite ou à gauche. Non, pas de monde là. L'on cite ça. Quoi, mon qu'on cite là, yo? Ou cite des mondes qui n'ont structuré les secteurs démocratiques et populaires que dernièrement, que Libastien quittait. Pour une raison encore terrible. Parce qu'on avait voulu faire un coup cochon à Libastien. Ok? On avait voulu lui faire un coup cochon. Tu vois, c'est terrible. Ce sont ses amis. Ok? Donc, alors, à ce moment-là, si ton secteur va l'on cite ça là, le ou pas qu'à. À mon avis, ou pas d'adouer prendre l'opposition pour seulement pour ce secteur démocratique et populaire. Et encore, l'organe d'un secteur qui était le secteur démocratique et populaire, il faut là regarder quelles sont les organisations politiques qui composaient ce secteur-là. Garder un crayon du nord au sud, depuis Wanamet jusqu'à Tiburon, en passant par Plateau Central, au fond Brèche, ou entrer dans Ilavache. Garder un crayon, chaque organisation qui, à l'intérieur de ça ou les secteurs démocratiques et populaires là, par individu, parce que l'or et les têtes au secteur démocratique et populaire, faut me connaître qui organisation là-dedans, qui passe, qui présente, qui fonctionne la société. Force même limitée. Okay. Ou pas le monde qui est là-dedans. Ou pas comme organisation dans le secteur démocratique, ou comme des individus, des vedettes, des showmen. Donc ça veut dire que Nenel sont candidats à la présidence. Là, elle ne va pas être ça, non? Ah, mais certainement. Certainement. Et c'est une raison qui fait que je contacte les Bastien. Ah, ok. Ah. Donc ça va être comme ça qu'a fait ça. Ah, c'est son guerre fratricide. Moi-même, pas qu'à des langues de bois. Lorsque. Il bon tout, non? Lorsque, c'est ça même. Lorsque vous avez ces affaires qui partent, il y a un bon politique. Qu'on niveau qu'on pas qu'à gagner retention d'informations face à la population. Qu'on niveau faut préserver la politique. Donc, au niveau les bagues, oui, dépasser les bagues. Ils ont des bagues. Faut dire. Faut dire. On n'a pas qu'à Wabgoumé pour jeter des journaux. Et puis, une négociation pour jeter des journaux. Ou voulez que trois postes tombent même pas une nouvelle fois pour faire quoi pour faire campagne électorale à la présidence. Un petit Libas n'est pas d'accord avec ça pour m'en enrager. Son nom sérieux. Ok. Mais maintenant, on t'a dit par exemple, démarche qu'a fait pour que chaque monde a dit au pape là, au pape là, au pape là. Vous voulez dire que vous pouvez agir par personne interposée? Premièrement, monde qui dit au pape là, au pape là, au pape là, ou pas comme si c'est vrai.
yon, et qu'à se jouer, il ne va pas là. Mais ça qui est certain, si vous pas là, vous pouvez avoir une présence. Et d'ailleurs, si vous avez une présence, si le monde qui a prêté pour changement accepte qu'il y a une présence à couvert, ou ne vagabond derrière avec eux là ça. Depuis nous avons présence, c'est pour l'assumer publiquement, pour payer à qu'on ait un tel là, c'est tel qui dévoile. Période. Et moi, mon tabou, on est un bachal là, pour moi-même, pour m'entériner, qu'on veut mon bachal, et puis pendant mon bachal, mon ça a travail, mon ça a géré avec moi, ensuite, pour prendre la rue contre transition, pour prendre la rue pour dire mal fait, pour faire grand discours. Non. Pour assumer mon nom, hein. On va pas assumer toute bagaille. Parce que c'est prendre une gestion commune, collective du pouvoir. Donc chacun assume sa responsabilité. Ok? S'il y a transition, parce que moi, je ne crois pas qu'il y ait une transition pendant le jour de là, capable de transition en 2022. Parce que manifestement, le président Jovenel n'a pas voulu faire l'élection. Ah, ça, c'est une traduction que je me fais là, qui est très simple. Le président Jovenel. On va pas assumer toute bagaille. Parce que c'est prendre une gestion commune, collective du pouvoir. Donc chacun assume sa responsabilité. Ok? S'il y a transition, parce que moi, je ne crois pas qu'il y ait transition pendant le jour de là, capable de transition en 2022. Parce que manifestement, le président Jovenel n'a pas voulu faire l'élection. Ah, ça, c'est une traduction que je me fais là, qui est très simple. Le président Jovenel. Dans quelles conditions pour faire un CEP ou prendre des organisations qui ne peuvent pas prévoir la constitution. Dans quelles conditions que un CEP installé à l'intérieur. Vous ne pouvez pas le faire, évidemment, à la suite d'un accord. Vous ne pouvez pas le faire à ce moment-là, moi-même, je ne trouve pas ça, moi-même, je ne suis pas politique. Et que je ne trouve pas ça, etc. Bon, moi-même, je me dis un autre bagage là. Je ne pas besoin de connaître ce que tu fais là-bas. Moi, je me dis, si je suis dans la politique, je dis, je ne pas poursuivre la justice. Individuellement. Ça, il ne faut pas le faire, M. Prival. Je ne pas le faire, je ne pas au courant du. On va donc monter là. Alors, parce que ma mot conduit toute bagaille. Ah mon cher, le fond KEP au camp qui est là de comme strict. Non, 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 qui l'a une épreuve à défaire? Vous n'avez pas de question. Qui l'a défaire là? Qui année? Bon, ça m'a dit. Ça m'a passé ce qu'on fait. Non, 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 m'a fait ce du tout. Vous d'avoir dit qui a l'épreuve à défaire? Dans le premier mandat ou le deuxième mandat? Deuxième mandat. Mais bon, il arrive que dans le deuxième mandat Prival, Prival monte président en 2005, 2006, monte dans le jardin en 2005, et vous avec Prival par hasard. Ah, ok, d'accord. Pas de position, ok. Moi, bonne logique. Moi, bonne logique. Moi, ok. Je suis politique même. Ah, d'accord. Ok. Jardin en 2011. Ok. 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 Et ensuite, connaissant Prival, lors de ce manège, soyez assuré qu'il y a un minimum de consensus politique autour de ça le faire. Généralement. Je ne dis pas absolument. Pour ne pas faire comme ça. Si vous avez fait, la baille est au minimum de consensus avec certains frères. Oui, c'est saleté, c'est saleté. Eh bien voilà, ce n'est pas le cas. On ne peut pas comparer ce que Péval avait fait avec ce que le président vient de faire. Ouais. Ce n'est pas comparable. C'est un nul non comparable. Bon, okay. D'accord. Alors, ceci dit. Alors, où est-ce qu'il y a le CEP? Où est-ce qu'il y a le CEP? Où est-ce qu'il y a le CEP? Ou pas prêter serment devant la Cour cassation? Ça passe là. N'importe qui, capable n'importe quoi, fesse, n'importe quoi dans le pays. Non, faut créer, bagaille. Faut créer, précédent. On ne peut pas cacher la caille. Il y a une diaspora pour que tout le monde diaspora pas même comprendre ça. Pour mettre madame là, le président diaspora. Le président diaspora. Il y a à peu près 1,5 million de monde dans diaspora. Le président diaspora. Pas tellement. Oh, plus que ça. Oui, bien sûr. Ou là, c'est au 20 port, net parce que vous devez faire cinéma pour vous. Donc, vous devez mieux que moi. Donc, alors, diaspora, New York seulement, Chicago, Los Angeles, Paris, Orlando, Miami,
Fort Pis, Fort Maez, représente une diaspora, pas quel mécanisme diaspora qui choisit au monde. Et puis, quelle idée. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous d'après l'initiative ça et d'après selon le stade? Un consensus est préalable avant. Même pourquoi André Michel pas te dit que tu pas le fond bail comme ça, des besoins plaintes contre eux? Même pas contre André Michel, parce que André Michel c'est un phénomène que je ne peux pas suivre. Tu vois, il est possible. Non, monsieur était cohérent, oui, dans l'ennemi. Ah, je ne dis pas qu'à suivre lui. C'est vous parce qu'il était cohérent. Non, dans le sens comme si nous avons. C'est où, moi, dit qu'il passait, qu'il était courageux. Oui, mais c'est ça, regarde. C'est André Modestin. Il y a dit pour tout l'autre monde, même pas, je dis André Michel, qui parle en bas. Mais là, on est courageux, c'est lorsque manifestation en fait, en bas de la ville, jeunes garçons, boule de gars américains, et puis, ils ont désolidarisé avec jeunes garçons, ça qui ont 22-23 ans. Ok? Qui est-ce qui supporte Jovenel? Qui est-ce qui veut Jovenel au pouvoir? Ce sont les Américains. Nous sommes d'accord. Maintenant, un jeune garçon entre 18 ans et 25 ans fait ce qu'il a lu, fait ce qu'il a vu, ce qu'il a compris, s'est manifesté, sans bras brûler, vient détester puissance A qui a dominé la société depuis au moins 100 ans. Il brûle de la boule. Américain brûle de la boule, Américain tout le temps. Et puis, tout le monde coule ici. Tout le monde coule, il a même dénoncé ces garçons là. Il a même dénoncé, oui. Il a livré au service consulaire de l'ambassade des États-Unis. Alors, côté des consistants là. Comment peut-on prétendre faire un changement en Haïti sans s'attaquer à l'impérialisme américain? La forme, quoi faire attaquer, fortement intelligente. La forme, mais la constante, c'est que l'adversaire a deux tailles. Du point de vue du développement paysan, reste et restera les États-Unis d'Amérique et ses vassaux, la bourgeoisie haïtienne et ses vassaux, ils ont frein de classe politique là, et ses vassaux, ils ont frein de la ONG. Voilà. Maintenant, et remarquez que moi changé cours et émission hein, parce que. On a fait émission sous moi, laissant l'autre là, entendre l'élection finie net, entendre nous proclamer résultat, entendre nous commencer. Mais, bon, moi, c'est un de mon destin. Qui j'en ouais, l'après-Moïse, l'après-Jovenel Moïse? Mon cher. Par rapport à la classe politique là. Comment, quand, vous saute de là tout à l'heure, quand bon, je n'ai pas de l'eau, ouais, n'a pas de l'eau. Valérie Numa. Valérie Numa, est-ce que vous entendez bien? Allez-y. Mba divino, Valérie Numa. Mba divino. Mba ka konnen, son rendez là. Gomme qui frappe, par exemple. Gomme qui frappe, m'pense que nous prenons de grandes difficultés. Des difficultés terribles. Lorsque Nations Unies citait G9, par la bouche du secrétaire général des Nations Unies, dans un rapport à l'Assemblée des Nations Unies, son bagage important. A même fini, il dit son bagage important. Mon cas politique, il a compris, ça me l'a dit, et pays a compris d'autres. Oui, mais même Nations Unies, ça a dit que, et question impunité, question insécurité, a son gros danger, son gros menace aux stabilités pays. Eh bien, bien sûr! Bien sûr, vous connaissez les Nations Unies, dit ça. Hein? Mais moi, si à l'égout là, lorsque, à partir de ce poste mondial, le secrétaire général, dans le rapport sur Haïti, cité l'organisation que société a tant à percevoir comme un conglomérat de gangs, ok, le tant à percevoir comme au service du pouvoir, quelque part, bien dit, nuancé, oui. Narcevini, bonne impression, avec les questions, si je me trompe, que les faits, les bails ont petit crédit à G9. J'ai l'impression que c'est ça, me lire. Et voilà. Alors moi-même, je m'étais appelé, mon affaire politique, puis on réfléchit. Okay. C'est ça, me fait simplement là. Donc, on voit comment la situation va être difficile demain pour les affaires politiques. Il est temps que les capteurs politiques se soient fait populistes. On
on ne peut pas, on ne doit pas en aucun cas se mettre à la remorque du peuple. Mm-hmm. Faut devant le peuple là, mais faut le peuple là, bon, on le regarde, sinon pas devant encore. Mm-hmm. Ou pas te guider, faut devant toi. Ok. Dernière, d'accord. Dernière question, sénateur Modestin, et c'est sous même logique, ou parlant de langue de bois, oui. Même j'ai par exemple, ouais, un certain de monde, nous pensait qui, vraiment pas en odeur de sainteté auprès de la population. Est-ce que je dis, et Rony Modestin, gagne des monde, par exemple, quoi que en Haïti, qui c'est des politiciens modèles, que un jeune, cap suivre là, l'Italien doit, nous t'a dit référer à lui. Est-ce qu'on approche ça? On approche ça. Qui est-ce? Yoé. D'abord, Sauveur Pierre-Étienne, Paul Denis, Gadi Leblanc, Éric Jean-Baptiste, qui est un nouveau politicien, et un d'acacité plus à l'autre encore, oui. Ok. Moi qui ai 50 d'acacité encore. Et. Oh mon Dieu. Bon, question de mes bouts du coup, mais bon, c'est un songe. Oui, mais quand même, on prend bel courage, quand même, je cite 4 noms quand même, c'est déjà bien. Oui. Mais oui, je oui, trouve oui. Que, il y a sorti dans le PL, pour plus fort. Non, ou bien 4 et 3 c'est OPL. Qui toi mec OPL là? Oh oui, ou dit Paul Denis. Ah, Sauveur. Ou dit Paul Leblanc, ou dit Sauveur. Ah bon, ok, donc j'ai raison, oui. Mais des Clarisse Noir sont extrêmement positifs. Clarisse Noir, par exemple, c'est un jeune politique sur lequel il faut coûter. Parce que l'intègre, lui extrêmement intègre. Pour qui ça, pour nous ne pas d'accord à Clarisse Noir? En politique. Qui te dit nos hommes se parler de eux là? Clarence Noir. Pourquoi ça pour nous demander des accords à Clarence Noir? Ou capable d'une différence avec lui par rapport à tel PCT? Mais ce qui importe, c'est des personnes intègres. Donc, il y en a encore, oui. Il y en a plusieurs. C'est pour nous, nous là. C'est un monde sain et mon cher, ou parler de mon service, ou mettre au pied disponible pour moi, parce que faut nous faire des bisous. Non, mais par exemple, faut mettre un pied disponible, quelle fois où j'aimerais l'aimer, j'aime d'où non. Là, on a raison. Donc, alors, souvent, là, on a raison. Non. Voilà, bon, assez moi, je pique. D'accord. Okay. Merci, Fabam. Gébé là, à bientôt. Dernier pas, m'a dit. Nous pas faire une mission sur Bolivie. Oui, non, moi, je te dis ça. Attends. Mais je vais dire une chose importante à mon avis, on va être important. Devise Bolivie, devise nationale pays Bolivie, c'est l'union fait la force, même avec Haïti. Et vous pouvez ça? Devise nationale Bolivie, si vous ne pas croyez, allez sur Google, si vous ne pas connaissez, devise nationale Bolivie, c'est l'union. C'est la force. Mm-hmm. Ça veut dire quelque chose pour moi. Ouais. Ok. Mes amis, par contre, c'est fanatique, mais il y a plusieurs monde qui disent oh, ok, sénateur, comment tu prends la boule pour point, sénateur, de sa capacité et Simon Benoît, même pas quoi son problème, je gagne Simon Benoît. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Quand vous mettez-moi, m'a pris le plaisir pour me citer l'histoire. Ça a échappé, moi. J'ai plusieurs. Non, moi dis ça. Ok. Ok. À bientôt, hein. Ok, c'est ça. Salut là. Okay. D'accord. All right. Ok, merci à tout le monde qui t'a écouté, c'est ton plaisir, mais remarquez que nous changeons de couleur émission, hein, puisque nous avons parlé de AC, qui est lui en Bolivie, et donc c'est pratiquement le retour de Evo Morales hein, au pouvoir en Bolivie, mais on a fait ça et on l'autre fois, mais c'était important pour que nous gardions ça. Je dis, devise de honnête, et je porte plainte contre KVSA, puisque nous avons parlé de ça, ok. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour, même nous garantit que semaine maintenant, Mabgen Moïse Jean-Charles, c'est certain, parce que, il y a cité en pile, donc, il paraît évident que faut que moi gagne, sénateur Moïse Jean-Charles, pendant ce maintenant, ok? On se retrouve demain. Bonne journée. Au revoir. C'était. L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakai, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur.
balaka.